Ce matin, on termine notre série, les disciplines de la grâce, et j'ai reçu beaucoup de bons commentaires. Les gens sont encouragés. C'est quelque chose de très simple, dans le fond. Je veux juste le résumer ce matin parce qu'on conclut. Euh, écoutez, en 2021, on veut pas marcher de nos propres forces. On ne veut pas s'appuyer sur nous-mêmes. C'est décourageant. On veut au contraire marcher selon l'Esprit de Dieu. Et, euh, et si tu es chrétien, tu as reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi, il veut vraiment se manifester, se déployer en toi, former Christ en toi. C'est ça son, sa mission, c'est ça son projet. C'est comme ça que Dieu est glorifié. Plus le caractère de Christ, sa personne, est formé en toi. Maintenant, à tous les jours, à chaque semaine, régulièrement, on peut faire des petites choses très simples, même. Presque banal, mais où on va aller puiser une grâce pour s'assurer qu'on ne revient pas dans nos vieilles traînes, nos vieilles habitudes de s'appuyer sur nous-mêmes, mais vraiment on cherche à s'appuyer sur l'Esprit de Christ et à marcher selon l'Esprit. C'est simple, ouvrir la Bible à tous les jours, aller lire quelques chapitres, prendre le temps de méditer un peu, aller dans le lieu secret avec ton Père, hein, dans la prière, puis juste dire. Père, j'ai besoin de te recommander la journée, j'ai besoin de ta grâce, je veux, je veux m'appuyer sur toi. Terminer ma journée dans, dans un petit moment de prière où je suis reconnaissant pour la journée, puis là où j'ai été déçu, déçu de moi-même, les fardeaux, tout ça, je viens juste les déposer à ses pieds. Simplement me faire baptiser lorsque je me convertis. Tu deviens chrétien, tu te fais baptiser, puis en Église, on célèbre ce moment où tu t'es uni à Jésus-Christ. C'est vraiment une grâce incroyable. Prendre Le repas du Seigneur ensemble régulièrement. Ça s'en vient, ça s'en vient. Sauvez-vous pas, on va recommencer à prendre le repas du Seigneur ensemble bientôt. Mais ce mémorial-là, ce, ce, mémorial ce symbole-là, tellement simple, là, un bout de pain, une petite coupe de vin, mais c'est un moment précieux où on se rappelle de ce que Christ a fait pour nous. Se joindre à une église locale. Si tu es sans église locale, tu sais, tu es, es pas un SDF, tu es, es un CEF, tu es sans église fixe, ben... Ça, c'est une des grâces, une discipline de la grâce très simple. Entrer dans une communion réelle avec une église locale, des gens que tu reconnais, des gens qui apprennent à te reconnaître. Et puis ce matin, ça va peut-être vous surprendre. Je vais vous présenter le fait de partager l'Évangile, le fait de juste s'investir dans la vie de quelqu'un pour l'aider, l'accompagner dans sa croissance spirituelle comme une discipline de la grâce. Puis, laissez-moi le dire comme ça. C'est une discipline de la grâce de s'investir dans la formation de disciples parce que je m'assure que mon cœur est investi là, là où le cœur de Christ est passionné. Je m'investis dans ce qui passionne vraiment Jésus-Christ, répandre cette grâce que toi t'as reçue à d'autres et aider d'autres à grandir dans la grâce. Et donc, on va terminer la série en parlant de cette grâce, de témoigner, témoigner de la grâce de Jésus-Christ. On va aller dans un mot de prière, on va écouter la lecture de la parole de Dieu ensemble. Seigneur Jésus... Euh... Tu es rentré dans nos vies. Tu es rentré dans ma vie. Tu m'as arrêté dans ma course, puis euh, tu as attiré mon attention. Tu as attiré mon attention assez pour que je me dise le bonheur se trouve là. Ne se trouve plus seulement dans, dans, dans ma voix à moi, dans ma traîne à moi. Mais tu m'as convaincu de te laisser me diriger dans les voies de Dieu. Quelle grâce incroyable, Seigneur. Pour l'éternité, je vais, je vais célébrer cette. Cette grâce. Et Seigneur, en 2021, en Église, on veut, on veut apprendre à marcher selon l'Esprit. Pas par nos propres forces. On, on a connu ce que c'était de marcher par nous-mêmes avant de te connaître, Seigneur. Mais trop souvent, on retombe dans nos vieilles habitudes. Puis on s'appuie sur nous-mêmes. Puis on, on prend les choses en main plutôt que de laisser vraiment l'Esprit former Christ en nous. Seigneur, je te prie d'encourager de, ton Église ce matin. En somme, ce, ce dernier exposé, Seigneur, nous rappelle ta passion à toi et, te, et nous rappelle vraiment le cœur de ce que c'est l'Église, s'accompagner les uns les autres pour grandir en toi, Jésus. Alors je te prie, par ton Esprit Saint, de venir nous convaincre, de venir nous convaincre de la simplicité, de la beauté de ce que c'est de témoigner de la grâce, de faire des disciples. Et je te prie, Seigneur, d'interpeller ceux qui écouteraient ce message et qui ne te connaissent pas encore, mais, mais qui commencent à s'approcher de toi, qui commencent à vouloir découvrir l'évangile de la grâce, la bonne nouvelle de cette grâce, Seigneur. Je te prie de les convaincre par ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent faire le saut, faire le bon de s'abandonner entre tes mains. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Matthieu 28. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Excusez moi j'avais dit que ce serait parfait ce matin hum. jésus a confié un mandat absolument extraordinaire à ses disciples euh, à la toute fin de l'évangile de matthieu puis ce matin moi je vais attirer votre attention sur vraiment la dernière phrase de l'évangile de matthieu on lit dans Matthieu 28, 19 et 20 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Euh, Jésus leur laisse ces paroles-là avant de les quitter, puis en même temps, il est en train de leur dire Je vous quitterai jamais. Je vais rester avec vous. Je m'en vais pas vraiment. Je m'en vais auprès de mon Père, mais dans le fond, je m'en vais pas comme de ma tour de contrôle, par la puissance de l'Esprit Saint, je vais être constamment avec vous et j'ai tout pouvoir, j'ai toute autorité. Euh... Puis le mandat qu'il nous laisse, si on veut être honnête, pour beaucoup de chrétiens, c'est extraordinairement intimidant. Euh, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que les nations veulent entendre l'Évangile déjà? Est-ce que moi, je suis bien placé pour m'investir, pour aider quelqu'un à... À devenir un disciple de Christ Est-ce que, est que je sais répondre aux questions Est-ce que j'ai les réponses aux questions Moi, ce que je veux vous partager ce matin, c'est que la formation de disciple, c'est à la fois beaucoup plus banal et simple que ça, puis en même temps, c'est vraiment ça qui passionne Christ. Alors, si mon cœur est, est au diapason avec Christ, puis ce passionne lui me passionne moi, je m'assure d'être constamment dans la présence de Christ, constamment bénéficier de sa grâce, de la grâce de sa présence. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus est spécialement avec nous quand nous faisons des disciples. C'est aussi une belle discipline de la grâce. Voyez-vous, euh, un des thèmes dans l'Évangile de Matthieu, c'est le fait que Dieu est avec nous. Euh, Maintenant, moi, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est spécialement avec nous. Lorsqu'on entre dans sa mission, je pense que c'est ça qui est en train de nous dire comme message à la fin de l'Évangile de Matthieu. Mais commençons tout simplement par tout l'Évangile de Matthieu. Un des thèmes importants de l'Évangile de Matthieu, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est toujours avec nous, quelles que soient nos circonstances. Et l'Évangile de Matthieu commence avec cette idée-là. Euh, lorsque l'annonce lorsque la, est faite que cet enfant-là, Jésus, va naître, voici ce qu'on lit dans Matthieu 1, 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. L'Évangile commence en disant avec la venue de Jésus, il y a une immense, euh, une immense bénédiction qui qu'Israël attendait depuis des siècles. Si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, laissez moi juste mentionner que. Que, que l'idée de l'Ancien Testament, c'est que Dieu fait une alliance avec un peuple, puis, puis Dieu promet à ce peuple-là de toujours être avec eux. Il y a des conditions dans cette alliance-là. Et, et finalement, l'histoire de l'Ancien Testament, c'est que le peuple est tellement poche avec Dieu que souvent Dieu n'est pas avec eux. Et, et, et donc, c'est ça l'histoire de l'Ancien Testament, c'est Dieu est avec nous, il n'est plus avec nous. Il est avec nous, il n'est plus avec nous. Puis ça dépend vraiment, vraiment de l'obéissance du peuple de Dieu. Mais les prophètes dans l'Ancien Testament. Annonçait maintenant depuis très longtemps qu'un jour viendrait où Dieu serait toujours avec nous. Plus jamais il ne s'éloignerait de nous. Même son esprit viendrait vivre en nous pour ne plus jamais nous quitter. C'est ça finalement. Dans un sens, je viens de te donner toute la bonne nouvelle de Jésus. Tout l'Évangile en, en une phrase, c'est Dieu avec nous, intimement, personnellement, qui ne nous quittera plus jamais. C'est ça la grâce de l'Évangile. Ça ne dépend plus. De ce que j'arrive à faire comme obéissance, parce que tout repose sur l'obéissance de Christ à la croix. Puis, dans un sens, c'est ça. Et donc, si tu as cru en Jésus-Christ, tu as reçu son Esprit, Dieu est toujours avec toi. Dieu est avec toi quand tu souffres, Dieu est avec toi quand ça ne va pas, Dieu est avec toi quand tu cherches un job, Dieu est avec toi quand tu es désespéré d'être célibataire ou tu es désespéré d'être marié. <laughs> Dieu est avec toi. Il est là tout le temps. Dieu est là quand ton médecin t'annonce que tu es frappé d'une maladie peut-être incurable et qu'il te reste peut-être moins de temps à vivre. Dieu est avec toi le jour de tes noces, quand ton enfant vient au monde. Dieu est avec toi tout le temps. Je pense que Jésus nous dit, à la fin de l'évangile de Matthieu, qu'il est particulièrement avec nous lorsque notre cœur est passionné de ce qu'il passionne. Je pense que c'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est intéressant. Ceux qui sont avec nous dans le plan de lecture, je veux, je veux rendre à César ce qui revient à César. C'est dans une des méditations de M. Carson, dans Le Dieu qui se dévoile, que j'ai eu cette piste-là lorsqu'il a fait sa méditation sur Matthieu 28. Je voulais terminer la série avec cette grâce, cette joie de partager l'Évangile. Puis là, il a juste ouvert mes yeux sur la toute fin. Puis là, j'ai dit Mais que c'est extraordinaire de réaliser qu'il y a quelque chose d'attaché à la mission qui est là. Il y a quelque chose qui est attaché à la mission. Jésus donne un mandat extraordinaire aux disciples et puis il termine en disant ceci, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'est pas en train de dire, je suis juste avec vous quand vous êtes en mission, mais il est en train de dire, regardez, je m'en vais auprès du Père, euh, vous allez vous sentir seul. Vous allez sentir extrêmement difficile d'être des lumières dans un monde qui peut-être n'a rien à, rien à savoir de l'Évangile, qui ne veut rien faire de l'Évangile. Mais sachez que tout pouvoir m'a été donné. Et alors que je vous envoie dans ce mandat-là, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors que je vous mets devant un défi incroyable qui va vous paraître tellement difficile, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. L'image qui, qui me venait pendant que j'étais en train de méditer sur ça, c'était. Euh, vous savez, euh, on vivait ça plus. On vivait ça davantage euh, au Québec, même euh, il, y a, il y a quelques décennies déjà encore. Puis euh, on voyait des gens qui avaient un métier, un père, une famille, il y avait un métier, il y avait une ferme. Puis euh, si c'était ta passion, puis on en a encore des cultivateurs qui, qui, dans le fond, vont avoir des enfants, puis leur rêve, c'est qu'il y ait un des enfants qui soit vraiment passionné de ça, là. Puis ils rentrent dans le travail de ce que les autres ont établi. Puis, puis, on le voit, il y a tellement de films qui racontent ces histoires-là. Quelle joie de voir ton enfant qui se passionne de ça, puis qui rentre là-dedans avec la même passion, avec la même passion. Mais la passion de Dieu, la passion de Dieu, c'est que la grâce que toi t'as reçue, que moi j'ai reçue, d'autres puissent le recevoir. Et je pense que c'est ça que Jésus est en train de nous dire ici. J'ai été envoyé sur terre pour que des gens viennent à connaître la grâce. La grâce d'Emmanuel, de Dieu qui est avec nous pour l'éternité. Et toi maintenant qui as connu cette grâce-là, Emmanuel est avec toi. Il est en toi par son Esprit Saint. Maintenant rentre avec moi dans cette passion-là, dans cette, passion cette mission-là, d'aller partager l'Évangile, d'aller faire des disciples. Puis je t'assure d'une chose. Je vais être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Euh, Lorsqu'on lorsqu parle du Québec à l'extérieur, puis qu'on va se promener, puis les gens nous demandent de décrire un peu c'est quoi le Québec comme culture, tout ça. Souvent, pour être honnête, souvent, que ce soit des missionnaires qui viennent ici, que ce soit des pasteurs qui parlent à l'extérieur, on va parler du Québec comme une terre qui n'est qui est pas très réceptive à l'Évangile. On est dans un une réaction post-chrétienne avec notre histoire, mais, mais ça va plus loin. On est post-moderne, post-chrétien, puis, puis on a l'impression que la Terre est très aride. Puis, puis là, soyons francs avec ce qui se passe depuis un an, il y a comme des espèces de parfums de fin du monde dans l'air, puis un peu catastrophique de dire, oh, OK, est-ce qu'on va survivre, tout ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il n'y a aucune variation dans ça. Il n'y a pas de variation d'intensité dans la proximité de Christ avec nous. Que tu sois en train de vivre un réveil personnel où tu découvres l'Évangile, puis là, tu partages l'Évangile, puis là, ta famille se convertit. Que tu sois dans le Québec des années 80 où les chrétiens se multipliaient comme du popcorn qui sortait d'une machine à popcorn, ou que tu sois en 2020 où tu dis, « Mes amis, on a de la difficulté à trouver trois, quatre nouvelles naissances spirituelles par année. Hein. » La proximité de Christ n'a pas varié. Et en fait, je pense que s'il y a une variation, c'est est-ce que mon cœur est là où Christ est passionné? Je pense que s'il y a une variation, c'est là. Donc, je vais, je vais donner des exemples. Euh, Christ est avec toi le jour de tes noces. Dieu est avec toi, il se réjouit avec toi. Définitivement. C'est tellement une bénédiction dans la Bible. Dieu est avec toi le jour où ton, ton premier enfant naît, ton deuxième enfant naît, puis tu le prends dans tes bras. Il est avec toi. Dieu est avec toi quand tu es en train de te magasiner une maison puis tu dis Conduis-moi, Seigneur. Dieu est avec toi quand tu traverses des épreuves puis tu dis J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu est avec toi quand tu dis euh, Bon, quel sport je devrais pratiquer. On va y aller banal un peu. Moi, je fais des prières banales au Seigneur. Je vois une voiture passer sur la route, je dis hey, ça serait pratique, ça, Seigneur. J'aimerais ça en avoir une comme ça un jour, mais roues. J'envoie ça au Seigneur. Dieu est avec moi. J'ai un bon Père. Il veut, il veut me donner ce qui est bon pour moi. Puis il aime me faire plaisir. Je n'ai pas de doute là-dessus. Fait que tu te dis, à ah, quel sport je devrais pratiquer, Seigneur. Je, tu je voudrais témoigner tout ça. Puis bon, où est-ce que tu veux me dire? Dieu est avec toi là-dessus. Tu te magasines une Lamborghini. Dieu est avec toi quand tu te magasines ta, ta Lamborghini. Mais je présume qu'on peut s'entendre qu'il est peut-être plus passionné lorsque tu es en train de t'investir dans la mission. Il est peut-être plus passionné de tes réflexions lorsque tu es en train de dire Seigneur, comment je pourrais aider quelqu'un à te découvrir cette semaine Seigneur, comment est-ce que je pourrais aider quelqu'un juste à grandir un peu dans l'Évangile, à grandir dans sa foi Comment je peux juste accompagner quelqu'un dans son cheminement de foi Ah, si tu as l'opportunité de te magasiner une Lamborghini, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, il va te diriger. Mais disons que sa passion pour les Lamborghini n'est probablement pas aussi grande que sa passion. Pour les âmes qui ne sont pas encore habitées d'Emmanuel, ou les âmes qui viennent de découvrir Emmanuel, Dieu avec nous, puis qui doivent grandir, qui doivent apprendre juste à, à faire les premiers pas de la foi. C'est vraiment là qu'est sa passion. Jésus aime parfaitement son Père, il aimait parfaitement son Père, et il aime parfaitement les hommes. La passion du Christ, c'est mourir sur la croix pour mes péchés, pour tes péchés. C'est sa passion. C'est très bien désigné lorsqu'on dit c'est la passion du Christ. C'est ça qu'il passionne. Et lorsque l'Église est passionnée de ce qui passionne Christ, on est au cœur de sa mission. Jésus est spécialement avec nous. Et donc c'est un petit peu ça mon point, c'est que si je veux vivre animé de l'esprit quotidiennement, si je veux si je veux aller puiser dans des grâces quotidiennes du Seigneur. Quelle meilleure manière de le faire que d'avoir un cœur qui est passionné pour ce qui passionne Christ. Et il est là avec moi. Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu plus près le passage, parce que vous allez voir que c'est ce grand mandat-là d'aller faire de toutes les nations des disciples, c'est grandiose, mais, mais en même temps, c'est beaucoup plus banal qu'on le pense. C'est beaucoup plus simple que vous pouvez l'imaginer. Nous, ce qu'on voit, c'est l'obstacle de d'accompagner quelqu'un qui va devenir comme Jésus. Bon, ben, chaque fois que je me regarde dans le miroir le matin, je me dis, on ne regardera pas là, Seigneur. C'est ça que je dis au Seigneur, on ne regardera pas là, on va regarder à toi. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Regardez ce que le passage nous dit. Allez, puis annoncez l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, ça présume que je pars de quelque part, puis je m'en vais ailleurs. Ça présume que je sors quelque part de ma zone de confort. C'est vrai, définitivement. Je vais accepter d'ouvrir la bouche pour dire à quelqu'un... Écoute, il y a peut-être quelque chose d'autre qui peut t'aider. Il y a peut-être une autre ressource que tu ne connais pas, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et, et il n'y a personne qui a cru en Jésus-Christ sans que quelqu'un sorte de sa zone de confort, ne serait-ce qu'un parent qui dit, oui, nous on va ouvrir la Bible le soir au souper, on va ouvrir la Bible, puis on va juste lire un passage, puis je vais juste expliquer le passage à mes enfants, les aider à comprendre ça. Je sors de ma zone de confort, Ce serait plus confortable de juste ramasser la table, aller allumer la TV, puis me brancher sur ma prochaine série, en attendant que je commence à m'endormir sur le sofa, puis que j'aille me coucher. Donc, il n'y a personne qui découvre l'Évangile sans que quelqu'un aille, sans que quelqu'un sorte de sa zone de confort. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose là. Mais en même temps, laissez-moi vous partager un autre passage dans 1 Pierre 3,15. C'est un passage qui m'inspire beaucoup sur ce que c'est. Vous savez, dans notre jargon, nous autres, on parle d'évangéliser, annoncer l'évangile. Regardez comment Pierre le présente. Il dit Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Quand, ça, ça veut dire, dire chérissez. Euh, ayez une attention particulière. Que, que Jésus soit tout à quelque part pour toi. Puis c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de marcher selon l'Esprit. Fait il dit Consente-toi à marcher selon l'Esprit, à aimer Jésus. « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est vraiment fascinant. Il dit, écoute, chéris Christ dans ton cœur. Le matin, là, va vers les petites disciplines de la grâce toute simple, va ouvrir ta Bible, puis termine ça en disant, Seigneur, aujourd'hui, je veux te glorifier. Je ne sais pas comment si ça va se passer, je veux juste comme, dirige-moi, je veux te glorifier. Je ne sais pas ce qui m'attend, je veux te glorifier, sanctifier Christ dans ton cœur. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Regardez bien ça, il dit « Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » En somme, Pierre est en train de dire « Chérie Christ dans ton cœur, pratique tes disciplines de la grâce, puis ça, ça va produire un style d'employé, ça va produire un style d'étudiant. » Ça va produire un genre d'amis. Ça va produire un type de citoyen. Puis il y a des gens qui vont dire, euh, comment c'est sûr que tu trouves de la joie dans les circonstances? Je, je, je perçois quelque chose, une espérance en toi que d'autres n'ont pas. Puis là, Pierre il dit, ben, sois juste prêt à répondre, d'où vient cette espérance-là? Ça ne veut pas dire que je m'en vais à tous les jours, puis là, je dis, OK, j'ai appris mes six méthodes, je sais comment, craquer toutes les conversations, puis boum, je présente l'Évangile. C'est beaucoup plus simple que ça. Je ne peux pas forcer quelqu'un à discuter de, de l'Évangile de Jésus si ça ne l'intéresse pas. Mais je peux faire quelque chose. Je peux chérir Christ dans mon cœur, puis être cette personne-là publiquement qui chérit Christ dans son cœur. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Puis oui, après ça, je vais avoir des conversations, puis je vais dire à mon ami, écoute, je suis désolé, je, suis comme, je sais que toutes les réponses sont dans la Bible, mais j'ai de l'air tellement maladroit. Super question. Bien, c'est parfait, sois honnête, sois toi-même. Puis dis, écoute, on continue la conversation l'autre fois. J'aurai de l'air intelligent la prochaine fois. Pas Jésus est plus brillant que moi, c'est juste que je ne suis pas toujours sa coche pour présenter Jésus. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Puis oui, on apprend avec les années, on prend des cours, on apprend à présenter l'Évangile, on, on apprend comment nos amis pensent, tout ça, mais, mais c'est plus simple que ça. Ce que ça me demande de faire, c'est d'être prêt à sortir de ma zone de confort. À la maison avec les enfants, avec mon conjoint, avec un collègue de travail, avec un ami. Des fois, c'est simplement dire à quelqu'un, écoute, je crois en Dieu. Permets-tu que je prie pour ça? Pas là, là pas devant toi, là, ça ne sera pas comme, ⁇ Awkward, OK, je vais prier. ⁇ Non, ce n'est pas ça. Permets-tu que je prie pour toi? À date, là, j'ai personne qui m'a dit non, je ne veux pas que tu pries pour moi. Non, en plus au Québec, ils vont dire Ah oh oui, tu m'enverras des ondes positives. Je vais laisser Dieu te les envoyer. Je sais juste que c'est, tu sais, moi, j'ai un médiateur pour ça. J'ai comme mon breaker, mon broker d'ondes de, de, positives, c'est Dieu. Faut qu'on passe par là. C'est lui qui contrôle ces choses-là. C'est beaucoup plus simple qu'on pense. Maintenant, c'est quoi faire des disciples parce qu'il a annoncé l'évangile? Allez! Allez, c'est annoncer l'évangile à quelque part, mais faites des disciples. Paul va dire dans 1 Corinthiens 11. 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Euh, faire des disciples, c'est accepter d'accompagner quelqu'un qui est en train d'essayer de comprendre c'est quoi la vie chrétienne. C'est ça, faire un disciple un disciple, c'est accepter de m'asseoir avec quelqu'un qui dit Je me sens perdu. C'est quoi que Dieu attend de moi? Où je m'en vais? Qu'est-ce que je dois faire? En somme, c'est ça. Puis euh, quand je donne le cours formation de disciple, je dis toujours, dans le fond, on est tous des disciples en formation. C'est juste qu'il y en a un qui est peut-être deux, trois jours en avance sur toi, puis c'est tout. Là. Il a juste commencé à comprendre comment attacher ses souliers pour faire du mal, de la course à pied, ça, ça finit là. On est tous en processus. Et donc, faire des disciples, c'est accompagner quelqu'un qui cherche à devenir un imitateur de Jésus. Puis, je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je suis peut-être intimidé par cette phrase-là soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Mais, mais si tu as deux jours de vie chrétienne, tu es déjà plus un imitateur de Christ que la personne qui n'a même pas compris l'Évangile. C'est ça la vérité. Tu te dis oui, mais je ne suis pas un modèle. Ben, tu es un modèle de quelqu'un qui dit qu'il n'est pas un modèle, c'est déjà quelque chose. Non, mais ma vie chrétienne est tout croche. C'est déjà beaucoup plus que la personne qui dit, non, ma vie va tellement bien que je n'ai pas besoin de Jésus. Tu sais, le gars qui dit, ma vie chrétienne est tout croche, je ne suis pas un exemple. Bien, ça veut dire que tu as accepté que la Bible est ton standard, puis tu n'es pas à la hauteur. Hey, on commence à s'approcher de l'Évangile. Continue à confesser ça. Continue à dire, écoute, je ne suis pas un modèle. J'essaye, mais vraiment pas. Puis je veux juste expliquer que c'est comme ça l'Évangile. C'est qu'on est en train de suivre un seul vrai modèle, qui est Jésus. Puis nous, on est en train de, de se repentir à quelque part quotidiennement. On, on fait juste comme s'aligner tous les jours en s'appuyant sur sa grâce, en sachant que c'est comme ça. C'est ça, ça la voie. Fait que, fait que C'est très simple en fait, faire, faire un disciple. Ça peut, ça peut être, comme je le disais tantôt, juste, juste décider que tu vas t'asseoir, puis tu vas ouvrir la Bible avec tes enfants. Tu es en train de faire des disciples. Lorsque tu vas répondre à leurs questions, puis il y a des joies incroyables là-dedans. Faire un disciple, ça peut être tout simplement d'écouter un frère, une soeur qui est découragé, qui est abattu parce qu'il y a des épreuves au travail. Puis je vais l'écouter assez longtemps à quelque part pour que son cœur s'épanche. Puis après ça, parce que je l'ai assez écouté. Elle va me permettre d'arriver avec une parole d'espoir. Son désespoir est assouvi, là. elle a été entendue, c'est bon. Je peux-tu t'apporter un angle de foi là-dessus? Hey, je suis en train de faire un disciple quand je suis en train de faire ça. Je suis en train de l'accompagner dans sa vie chrétienne. C'est aussi simple que de prendre quelqu'un qui vient d'arriver à la foi et de dire Veux-tu, je vais juste t'expliquer l'Ancien et le Nouveau Testament? C'est mêlant, cette affaire-là. J'ai quelqu'un qui m'a demandé cette semaine. Cette personne-là, candidement, elle me dit C'est-tu normal que je trouve beaucoup plus compliqué l'Ancien Testament que le Nouveau Testament? Hey, c'est une super bonne question. Pour moi, la Bible, c'est comme c'est un livre hyper simple. C'est comme si je m'achetais un, un meuble chez IKEA, puis je j'étais en train de monter un meuble IKEA. Ça fait 30 ans que je monte un meuble Ikea. Bon, des fois, il est tout croche, là, vous avez juste à me regarder. Mais je montre mon meuble Ikea avec mon manuel. Hey, la personne qui vient d'arriver à l'Évangile, elle fait quoi avec ça? Elle arrive devant ça. Ce n'est pas un manuel Ikea, cette affaire-là. C'est hyper complexe et difficile. Simplement, elle vient d'arriver à la foi. Veux-tu, on va faire quelque chose? Chaque semaine, on se connecte ensemble. Fais juste partager ce que tu as reçu dans la Bible. La personne, elle va te poser des questions, puis tu vas avoir un sourire qui va apparaître. Là, tu vas te rappeler. Aïe, oh, quand je suis tombé sur ce texte-là la première fois. Ouf. J'avais juste le goût de fermer la Bible. C'était comme fini. Je ne relirai plus jamais ça. Pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible? Je veux dire, c'est une des premières questions qu'on se pose. Faire un disciple, c'est aussi simple que de dire Tu viens d'arriver à l'Église, je vais t'aider à t'intégrer dans l'Église. Je vais, je vais t'inviter à rentrer dans mon cercle à moi. Viens dans mon groupe connexion. Viens faire un cours avec moi. Je suis déjà en train de faire un disciple. Faire un disciple, c'est lorsque je vais vers un collègue de travail, puis. Je décide tout simplement de lui dire, comme je disais tantôt, est-ce que tu permettrais que je prie pour ça? Je te garantis que cette conversation-là ne s'arrête pas là. Il va y avoir des suites à cette conversation-là. Tu vas revenir le voir après, tu vas dire, puis, comment ça se passe? Ah, ça va pas bien, ton Dieu, il ne doit pas exister fort. Hum, beau sujet de conversation. Ou bien il va te dire, écoute, ça va mieux, je te remercie. Ben, tu vas avoir des belles surprises. Cette personne-là risque de venir te revoir et te dire Hey, voudrais tu voudrais-tu prier pour ça aussi, s'il te plaît? Ça nous arrive constamment. Euh, faire des disciples, ça peut être simplement de, de, de faire le choix euh, complètement révolutionnaire de lire ta Bible en papier au lieu de la lire sur une tablette, parce que tu peux apporter ta Bible en papier sur l'heure de la pause à la job, puis tu vas lire ta Bible. Je sais que je suis vieux jeu, mais j'ai eu tellement de belles conversations parce que j'avais toujours ma Bible à la job. C'est fou les conversations que j'ai eues à cause de ça. Ouais, il y en a qui se moquent de toi. C'est bon. C'est correct. Ceux qui se moquent de toi attirent la sympathie des autres. Puis là, tu as une belle conversation. Laisse les faire les moqueurs, c'est ça la vie. C'est normal. En 2021, on veut marcher selon l'Esprit. Et le cœur de Christ est là. Il est passionné pour les êtres humains qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il veut s'offrir lui-même, il veut leur offrir Emmanuel, qui va venir vivre en eux. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est entrer dans cette mission-là en soi, c'est une discipline de grâce, parce que je vais être là où Christ est, ça va m'apporter tellement de joie. Mon, mon dernier point que je veux faire ce matin, c'est ça, c'est faire des, des, des disciples, c'est une discipline de la grâce, euh, parce que le cœur de Christ est là, il est passionné pour ça, et il, 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 va, il va te donner des joies. Je parlais avec. Euh, j'échangeais avec un, un frère de l'église euh, il y a quelques semaines, puis il me disait euh, Écoute, une de mes joies actuellement, c'est juste d'ouvrir ma Bible avec mes filles le matin, puis répondre à leurs questions. Moi, cette semaine, j'ai eu le, le privilège de m'asseoir avec, avec une jeune femme qui, qui revient au Seigneur. Peut-être qu'elle vient de se convertir, on ne sait pas, mais elle vient d'un background évangélique. Puis, puis je l'écoutais, puis elle était comme un petit peu anxieuse de me partager toutes ces questions, c'est sûr qu'elle se reconnaît, mais quelle bénédiction pour moi d'être là et juste de voir ça, je vois un miracle devant mes yeux. J'entends avec mes oreilles un miracle. Toutes ces questions, puis ces insécurités, c'était juste ma joie de voir son désir de marcher avec Dieu. En 2021, on veut marcher selon l'Esprit, puis on veut vivre le fruit de l'Esprit. Euh, ce fruit-là, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté. Euh, toutes ces vertus-là s'expriment dans nos relations les uns avec les autres. Pour un chrétien, aimer mon prochain, c'est vouloir lui donner Christ c'est vouloir l'aider à grandir en Jésus-Christ. Pour, pour, pour un chrétien, c'est ça, ultimement, aimer mon prochain. Prêter ma voiture, dépanner quelqu'un, aller apporter un repas, écouter quelqu'un qui ne va pas bien, c'est extraordinaire, mais à quelque part, j'ai toujours un agenda derrière la tête. J'aimerais ça leur donner Emmanuel, qui puisse venir en eux. Alors, si en 2021, on veut marcher selon l'Esprit, moi, je vous invite à voir ce grand mandat-là comme une grâce. Puis je vous invite simplement à aller dans la prière à chaque semaine, puis dire, Seigneur, montre-moi comment je peux accompagner quelqu'un dans son cheminement spirituel. Seigneur, montre-moi comment je peux juste aider quelqu'un à se démêler un peu dans la vie chrétienne. Seigneur, montre-moi comment je peux juste encourager quelqu'un qui vit du découragement. Je vais l'appeler, je vais l'écouter. Je vais l'écouter jusqu'à temps que ces silences soient tellement prolongés que j'ai la possibilité de déposer une parole d'espoir. La fenêtre vient de s'ouvrir, c'est senti compris j'arrive avec Christ, j'arrive avec l'évangile. C'est simplement ça. Je vais inviter les musiciens à, à se préparer à nous conduire dans, le, dans la louange pendant que, que j'essaie juste de résumer un peu cette série là. Euh, on a intitulé la série des disciplines de la grâce. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné ce titre-là C'est parce que notre rapport à Dieu, notre, rapport, notre relation naturelle avec Dieu nous conduit toujours dans des, des espèces de, de rapports de performance avec Dieu. Puis euh, devenir chrétien, c'est accepter que tu ne peux pas performer pour devenir chrétien. C'est ça. Tu acceptes la performance de quelqu'un d'autre, c'est Christ sur la croix pour toi. C'est ça, devenir chrétien. Mais cette vieille traîne-là, cette vieille disposition-là, de dire là, je vais performer, ça revient constamment. Tu vas te battre avec ça jusqu'à la fin. Tu vas te battre avec ça jusqu'à la fin. Et l'idée de, de définir, oui, ces disciplines-là, ça, ça, ça demande quelque chose de ta part. De choisir, de t'investir pour dire, moi, ouais, cette année, je vais lire la Bible. Je vais ouvrir ma Bible, je vais lire la Bible. Cette année-là, je vais apprendre à prier. Je vais grandir dans ma vie de prière. Cette année, c'est l'année de mon baptême. Je vais aller me faire baptiser. ou Je vais, je vais, je vais me préparer lorsqu'on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Cette année, je me joins à une église. J'arrête d'être un sans-église fixe. Puis je me choisis ma maison spirituelle à moi, où je vais entrer vraiment en communion avec les gens. Cette année.. J'accepte d'entrer dans ce mandat-là de faire des disciples, ne serait-ce qu'en priant pour des gens qui ne connaissent pas Christ, ne serait-ce qu'en priant pour des jeunes chrétiens ou simplement en disant Seigneur, donne-moi cette joie-là. Et je choisis de ne pas voir ces choses-là comme des devoirs, mais comme des occasions de recevoir des grâces constantes des grâces constantes qui viennent remplir mon âme, qui, qui me ramènent à la grâce. Et ce matin, on termine en parlant de formation de disciples parce que un des plus beaux endroits où tu peux être amené constamment à la grâce, c'est en accompagnant quelqu'un dans son cheminement spirituel, de voir l'œuvre de la grâce dans sa vie, alors que cette personne-là va avoir le réflexe hein, de dire « ah, j'y arrive pas, je suis pas un bon chrétien », puis tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui prêcher l'évangile encore une fois, tu vas le ramener à la grâce encore une fois. C'est une. Une des plus belles disciplines de la grâce que celle d'aider quelqu'un à grandir dans la grâce, dans l'évangile de la grâce. On va l'ensemble ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, si la vie chrétienne était une question de performance, Seigneur, je serais le plus hypocrite et le plus poche des, des chrétiens. Mais dans ta bonté, tu me savais incapable d'atteindre ces standards parfaits. Ce standard parfait que toi, tu es Jésus. Et Seigneur, tu as manifesté ta passion. Tu as manifesté ta passion en mourant sur la croix pour mes péchés, Seigneur. Tu as manifesté ta passion en, en acceptant de me libérer de cette nécessité de performance. Pour déployer sur moi, pour me couvrir, pour me baigner dans ta grâce, Seigneur. Et Seigneur, mon désir, notre désir en 2021, c'est d'apprendre à marcher selon l'esprit. Selon l'esprit, Seigneur, par ta puissance, par ta grâce. Seulement, Seigneur, donne-nous le vouloir et le faire d'ouvrir notre Bible à tous les jours. Donne-nous le vouloir et le faire d'aller dans ce lieu secret dans la prière avec toi. Donne-nous, Seigneur, de désirer faire ce pas d'abandon, de se faire baptiser, de, de prendre ensemble cette communion, ce repas du Seigneur, de, de vraiment s'attacher à une famille spirituelle, à une église locale. Donne-nous, Seigneur, d'avoir le courage d'aller et d'accompagner des gens dans leur cheminement spirituel, d'ouvrir la bouche pour parler de toi, pour rendre compte de cette espérance qui est en nous, Seigneur. Seigneur, Accorde-nous la grâce d'être une communauté de grâce. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.